Kyoz, Bonjour. bonjour, merci de m'accorder un peu de temps pour cette interview. On fait le bilan de l'ESEA. Vous avez fait une victoire, une défaite, une victoire contre Ago, une défaite contre le mix de la nouvelle équipe de Snacks Anonymous. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Déjà, la première victoire nous a fait énormément de bien mentalement, mais on devait clairement chercher cette deuxième victoire, mais on n'a pas réussi sur la dernière map qui était Vertigo. On perd 16-14, c'est dommage, parce que c'était clairement à notre portée, quoi. Comment tu expliques tous ces matchs qui sont aussi serrés sur chaque map? Je trouve qu'en général, on a l'avantage sur nos adversaires, mais on n'arrive pas à capitaliser là-dessus. Et il y a à chaque fois quelques petites erreurs qui nous font perdre des rounds, et ça rend les matchs plus serrés que la sensation qu'on a de devoir stomper nos adversaires, quoi. Avec l'équipe qu'on a, je pense qu'on doit clairement battre tout le monde sans se mettre la pression, mais après c'est le début des matchs officiels, c'est nos premiers matchs officiels en MDL, du coup on prend de l'expérience, quoi. Comment tu qualifierais le rôle que tu as dans l'équipe aujourd'hui? C'est en général je passe dans l'entrée, après ça dépend des maps, des stratégies qu'on fait et tout. Je suis celui qui doit rapporter de l'espace à l'équipe surtout, et en allant ouvrir certaines zones, etc., quoi. Chacun peut prendre ses responsabilités et call des choses. On n'est pas obligé de suivre à chaque fois à la lettre, d'attendre le call de Lambert, par exemple, et de juste l'écouter comme des robots. On a tous nos responsabilités et on travaille dessus pour les assumer, quoi. Donc ce soir vous jouez contre Pact, demain vous jouez contre Alternate si je me trompe Ah, pas. c'est bien ça. Grosse semaine, comment tu vois la fin de la semaine? Là, je vois clairement en 2-0. Il n'y a pas d'autre objectif que le 2-0 cette semaine. On doit aller chercher la place au playoff. Il faut tout gagner maintenant. Merci Kéoz pour le temps que tu nous as accordé et on se dit à très bientôt. Merci à vous et merci aux supporters aussi. Bisous.